Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur la très belle scène nationale du Théâtre d'Albi. Avant de commencer, je tiens à vous remercier. Oui, je vous remercie, vous téléspectateurs. L'année dernière, il y a eu un véritable engouement pour notre émission. Vous avez été des millions à aimer découvrir ces jeunes virtuoses de la musique classique, à les écouter et à suivre notre concours. Alors cette année, ma joie est encore plus grande. Je suis très fière de vous présenter notre grand concours Prodige 2015 sur France 2. Vous allez découvrir de jeunes et très jeunes artistes du classique. Ils ont entre 8 ans et 16 ans. Je sais qu'ils sont passionnés et passionnants, travailleurs. Ils vont tout donner ce soir. Ils ont tant à donner. Ils sont chanteurs, danseurs, instrumentistes. Ils s'attaquent à des œuvres redoutables. Ils vont faire vibrer nos cordes sensibles. Nos yeux seront mouillés. Nous aurons le frisson. Leurs parents qui les accompagnent auront la gorge nouée, le souffle coupé. Mais tous nos candidats sont ici aussi pour remporter notre concours et devenir, à la fin de cette soirée, le prodige de l'année 2015. Grande nouveauté cette année, le gagnant de chaque catégorie remportera une bourse d'études et notre gagnant, lui, doublera cette bourse. Allez, c'est le moment de découvrir leur visage. Voici nos 13 candidats pour cette année 2015. Coucou! Je les adore, ils sont trop mignons. Nos 13 prodiges auront l'immense privilège d'être accompagnés ce soir par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Et son jeune chef russe, Tugan Sokiev, également directeur musical du Bolchoï à Moscou. Tugan, bonsoir. Oh. Et je salue aussi, bien sûr, les chœurs du Théâtre Opéra de Toulouse. Et puis, elle était déjà à nos côtés l'année dernière. Notre brillante chef d'orchestre nous rejoindra. Ariane Matiak sera également de la fête. Qu'elle en soit remerciée. Alors, si vous étiez avec nous l'année dernière, vous vous souvenez sûrement de notre beau jury. Mais quand je dis jury, waouh, waouh, quel jury. Ils sont là, tous les trois, magnifiques, généreux, intègres, c'est important, aiguisés, yeux, oreilles et cœur aux aguets. Toujours entre deux avions, entre un opéra et un récital, vocalisant en italien, en allemand, en russe, en français, sa célèbre chevelure blonde éclairant les scènes internationales. Mais surtout, surtout cette voix d'or et de rubis rivalisant avec les anges, la soprano Elisabeth Vidal. Ah là là! L'année dernière, je disais de vous, deux points, ouvrez les guillemets, immense danseur étoile, vous avez succédé à Rudolf Nureyev comme directeur de la danse du ballet de l'Opéra National de Paris, une carrière nationale, mais surtout internationale, remarquable. Vous êtes un virtuose, insoumis, vous êtes unique, et je rajoute encore ce soir, je vous connais tellement sensible et généreux, monsieur Patrick Dupont. Et à celui-ci, le dernier de nos jurés, je lui dirais « Capuçon et joueur, surtout de violoncelle, mèches noires, yeux brillants, il surpasse Jack Sparrow. Et on entend Cougar autant que Jouvencelle murmurer d'une seule voix « Oh mon Dieu, qu'il est beau !» Monsieur Gauthier Capuçon. À tout moment, vous pouvez chez vous prendre le contrôle de notre caméra 360 e-motion pour vivre notre soirée prodige. Bon, c'est une caméra qui filme comme vous en avez envie. C'est vous qui décidez et ça se passe sur le site de France 2. L'adresse s'affiche en ce moment. Et puis, Prodige 2015, c'est aussi sur les réseaux sociaux pour toute la soirée et même après. Alors n'hésitez pas, nous attendons tous vos commentaires sur le hashtag Prodige. Oh là là, mon Dieu, que je suis bavarde. Vite, vite, vite. Je déclare ouvert le grand concours Prodige 2015. Trois catégories sont représentées, la danse, les instruments, mais c'est avec le chant que nous ouvrons cette soirée. Très bonne soirée à tous. La compétition Prodige 2015 s'ouvre avec la première des trois catégories, la catégorie chant. Les quatre concurrents chanteurs sont Jeanne, 15 ans,
Oscar, 12 ans, Jacob, 12 ans et Angélique, 14 ans. La jurée spécialiste de la catégorie chant est Elisabeth Vidal. Célèbre soprano à la carrière internationale, elle se produit sur les scènes des plus grands opéras. Diva atypique, enseignante à l'école du Bolchoï, Elisabeth Vidal a su démocratiser le chant lyrique. J'aimerais être un jury clément et qui leur fait comprendre qu'ils ont déjà gagné en étant là, avec nous. Parce que d'être sélectionné, c'est déjà magnifique. Prodige, c'est toujours plein de surprises. C'est vraiment la découverte de gens qui sortent de l'ombre et qu'on va voir pour la première fois dans leur jeunesse, dans leur fraîcheur, dans leur enthousiasme. Le premier prodige a tenté de gagner sa place en finale et à être désigné prodige de l'année par les trois membres du jury à la fin de l'émission est Oscar. Je m'appelle Oscar, j'ai 12 ans, je suis en 4e et j'habite à Nédan en Haute-Savoie. Quand je chante pas, j'aime skier. En hiver, je vais skier tous les week-ends avec mon père et ma sœur. Je suis dans un club et puis je fais des compétitions régulièrement. Si je fais pas de la musique plus tard dans ma vie, j'aimerais aussi peut-être être inventeur parce que j'aime créer des choses. Je suis très intéressée par les ordinateurs, donc peut-être que j'inventerai des pièces pour ordinateur. J'ai commencé la musique à 6 ans, j'ai commencé avec le piano, mais le piano c'est très solitaire quand même, donc j'ai pensé pourquoi pas chanter, donc pour être en chœur. Donc j'ai commencé le chant il y a 2 ans, et puis j'ai beaucoup aimé, donc j'ai continué. Et puis je chante en solo beaucoup maintenant aussi. Mes plus grands fans c'est mon père et ma mère, ils sont toujours à mes concerts, à m'écouter, à m'encourager. Quand j'ai appris que j'allais faire prodige, j'étais super content. Je me suis dit que ça allait être génial parce que c'est une opportunité incroyable. Avant de monter sur scène, je me répète ma première phrase dans ma tête juste pour être sûre que je ne suis pas là-haut et puis je me dis « Ah mince, c'est quoi ma première phrase déjà ?» Thank you.
Oh, oh mon Dieu, ça commence. Oh, c'était magnifique. Oh, c'est un de mes airs favoris. Alors, je suis très émue, bien sûr. Je suis émue par Puccini, mais Oscar, je suis émue par ta, presque ta sagesse, ta tranquillité. Bravo. Alors, comment ça fait d'être sur cette grande scène? C'est incroyable. Absolument incroyable. Alors, cher juré, que pensez-vous d'Oscar? Je pense que Oscar vient de faire une création. Pourquoi? Parce que justement, on attend une couleur dramatique, on attend du challenge vocal. Et lui, il en a fait presque une berceuse, une prière. Et en cela, il a créé quelque chose de tout à fait unique. Bravo, Oscar, parce que tu restais dans ta couleur. Patrick Dupont, je vous ai senti vraiment très ému. Oui. Il y a Oscar, il y a quelque chose qui me touche par-dessus tout chez un artiste. C'est l'humilité, la gentillesse et la sincérité. Et tu as ces trois qualités en toi. Tu as la base qui est essentielle, tu as ta vérité et, comme disait Elisabeth, tu as respecté ta voix. Bravo, bravo. Oh là là, on va demander maintenant au troisième. Il reste silencieux, mais il n'en pense pas moins. Monsieur Gauthier Capuçon. Il y a quelque chose qui m'a, je dois dire, impressionné pour ton jeune âge. Je t'ai vu très attentif et regarder Ariane, d'écouter aussi. Tu avais vraiment tes sens qui étaient en éveil. Chaque ralenti qu'elle faisait avec l'orchestre, tu étais là et tu arrivais vraiment, tu surfais sur ces couleurs que t'ont fait l'orchestre. Donc vraiment, un grand bravo à toi. Alors, Oscar, un petit mot, qu'est-ce que tu veux répondre à tout ça? Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Alors, toujours dans la catégorie chant, eh bien, maintenant, Oscar, nous allons recevoir Jacob, un garçon de 12 ans qui est vraiment attachant. Il chante depuis 4 ans au Conservatoire de Lille. Il va interpréter un extrait des Noci di Figaro de Mozart, les Noces de Figaro, l'air de chérubin s'adressant à la comtesse. Vous qui savez ce que c'est que l'amour, voi che sapete che cosa è amore. Je m'appelle Jacob, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je vis à Lille. Quand j'étais en CP, il y a une cantatrice qui nous a rendu visite. Et j'ai trouvé ça très joli à l'oreille et j'ai voulu faire comme elle. J'ai essayé et un an plus tard, j'ai embêté ma mère pour qu'elle m'inscrive à une école de musique. C'est comme ça que la passion du chant, elle a commencé. Depuis 2 ans, en plus du chant, je fais de la natation sauvetage. Ça nécessite beaucoup de souffle. Pour moi, c'est un beau sport car en plus de sauver des vies, je travaille mon souffle en chant. Je suis prêt pour chanter le Voi che sapete des Noces de Figaro de Mozart. C'est un morceau assez difficile car il y a des liaisons, il y a des doubles consonnes et tout. Et aussi, c'est en italien et je ne parle pas italien. Donc c'est assez dur pour moi. Là, ça va être l'heure de monter sur scène et je vais me sentir minuscule face à cette grande scène et à ce grand public. Pour moi, ça va être magique, ça va être très beau. Pour moi, ça va être un moment que j'ai attendu depuis longtemps. Thank you.
Et voilà encore un jeune artiste. Je vous en prie, Jacob, saluez. Je trouve que ce chérubin a presque l'âge du rôle. 12 ans pour le 18e siècle. C'était un chérubin, puisque la comtesse en avait 18. Exactement. Et voilà. Est-ce que tu as compris les paroles de ce que tu chantes ? Oui, oui, il est très amoureux et donc il n'arrive pas à lui montrer ses sentiments. Donc, Oui, pour l'instant, mais plus tard. Oui, plus tard, oui. Et oui, c'est le chérubin chez Mozart, c'est magnifique. Chère Elisabeth, alors, que pensez-vous de notre caro chérubino ? Mais moi, je pense que tous les metteurs en scène voudraient un chérubin comme ça. Il est plus vrai que vrai. Il est dans le personnage, justement, cette retenue qu'il avait était complètement dans la justesse théâtrale. Et pour moi, vraiment très touchant, parce que c'est le personnage. On a un vrai chérubin et on a envie de l'embrasser. Gauthier Capuçon. Je trouve qu'il a un jeu scénique vraiment incroyable. Et il y a une chose qui me plaît énormément chez toi, c'est que je sens que tu es heureux d'être là. Je sens que tu es heureux de chanter. Et pour moi, c'est une notion qui est vraiment très importante quand on est sur scène. Bien sûr, il y a l'exigence, il y a le travail. Il faut rappeler que tous ces jeunes qui sont sur scène travaillent énormément. Et c'est une valeur bien importante sûr. De dire et redire, même quand on a du talent. Oui. Mais il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Et toi, tu l'as sur scène et tu la partages avec nous. Alors, je te remercie, je te félicite. Patrick ? Je t'ai trouvé d'une justesse absolue. Quand je dis absolue, ça veut dire que tu as été juste dans ton rapport aux nuances musicales. Pour moi, c'était presque parfait, même voire parfait. J'ai adoré. Ouais. Alors, je voudrais rajouter à ce que vous venez de dire tous les trois que Jacob aime beaucoup le sport. Je sais que tu fais de la natation. Et la natation, il a une particularité, il fait natation-sauvetage. C'est-à-dire que lui, son idée, c'est de plonger très très profond pour aller sauver ceux qui ne savent pas nager. Alors, tu peux me dire, est-ce que la natation, ça aide pour le chant ? Ben, en fait, j'ai choisi la natation-sauvetage exprès comme ça. Ça travaille le souffle et ça travaille aussi les muscles. Et c'est un sport, c'est... Magnifique, super. Magnifique. Et puis tu sauves des gens. Bon, eh bien voilà. Voilà un très beau début de soirée avec Oscar et Jacob. Maintenant, Jeanne et ses 15 ans nous arrivent de Moselle, exactement de Plapeville. Plapeville, une ville qui touche Metz d'ailleurs. Elle étudie le chant au conservatoire de Metz. Ça fait déjà 7 ans qu'elle travaille sa voix jusqu'à 7 heures par semaine. Et sa maman raconte que tout bébé, cette petite Jeanne, quand elle entendait du classique à la télévision, elle restait fascinée, les yeux grands ouverts. Et je ne doute pas que vous le serez également en l'écoutant chanter l'une des pièces les plus populaires de Schubert, le célèbre Ave Maria. Je m'appelle Jeanne, j'ai 15 ans et demi, je suis en seconde et j'habite à Metz. Généralement, quand je suis chez moi, c'est pas forcément du classique que je fredonne. C'est donc la variété, j'écoute beaucoup d'Adèle. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face the old together. J'ai commencé la musique avec le piano à l'âge de 6 ans. Mon professeur de piano m'avait proposé de jouer l'Ave Maria de Schubert avec une soprano qui chantait par-dessus. Et quand j'écoutais la voix de la soprano, je me suis dit « Wow, c'est quelque chose de magique !» Et ce qui est incroyable, c'est que ce soir, je reviens prodige avec l'Ave Maria de Schubert. Je pense que l'Ave Maria, c'est personnel et que chacun ressente cette émotion. On l'interprète à sa manière. C'est un morceau qui doit vraiment être dans la retenue et c'est ça le plus important. Quand j'ai appris que je faisais prodige, je crois que mon cœur s'arrêtait une demi-seconde en tout cas. Dire qu'à 15 ans, j'ai chanté avec le grand orchestre du Capitole, je trouve que c'est une bonne première en tout cas. Pour ce soir, je me sens enfin prête. Je suis au maximum de moi et je vais donner le meilleur de moi.
Je vous en prie. Mademoiselle Jeanne, voilà, un salut de diva déjà. Merci Ariane Matiak. Jeanne, je sais que tu as 15 ans, donc tu viens de Plapeville, et que c'est quand tu étais petite, à l'âge de 8 ans, je crois que tu as entendu cet air. Oui. Exactement, l'Ave Maria de Schubert. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, chère Elisabeth Vidal? Jeanne, je veux te dire que tu as réussi un exercice périlleux, c'est celui de dominer ta propre émotion. Quand tu as commencé, évidemment, moi, en réflexe physique, je respire avec toi. Et j'ai tout de suite senti que, à cause du trac, tu n'avais pas pu prendre ta respiration de manière assez sereine, assez basse, et que peut-être tu n'allais pas aller jusqu'au bout de la phrase en gardant ta justesse. Et c'est vrai, au début, je dois te le dire, à la fin de ta première phrase, tu étais un petit peu basse. Tu as réussi à retrouver une pression après et une sérénité, et tu as fini ça avec grand talent, parce que tu as réussi à avoir la musicalité, tu as assumé un pianissimo à la fin, dans la souplesse, tu t'es donné, tu as ouvert les mains, et c'est dans cet abandon-là que tu as trouvé la justesse et la beauté. Pour moi, je pense que tu es tout à fait faite pour ça, que tu es sur le chemin, et que peu à peu, en enlevant toutes les tensions que tu réussis, en faisant confiance à la terre, tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre. Ah, elles sont folles, ces divas, je les adore. Monsieur Dupont, alors ? Ben, moi, Jeanne, j'ai envie de te dire, quand on se laisse des fois submerger par la beauté et la puissance de ce qu'on transmet. Je connais ce sentiment d'énorme bonheur qui vous serre à la gorge. Et pour toi, cantatrice, c'est hard d'avoir un truc dans la gorge. Mais bon, mais j'ai adoré cette version angélique de toi-même. Cette musique t'a permis de t'élever, tu vois. C'est effectivement sur la fin de l'air, je t'ai senti t'élever, j'adore ça. Merci. On leur répondra après. Je voudrais savoir ce que Gauthier pense, Gauthier Capuçon. J'ai envie de te demander de respirer parce que je sens que tu es toujours... Je suis toujours agrippé à mon siège. Non, c'est vrai. C'est un chez-elle. Ouais, on sent une puissance énorme. Je suis sûr que tu vas te défoncer. On sent une puissance. Bon batomique, là. Un chanteur de 15 ans n'est pas un instrumentiste de 15 ans, il faut le dire. Il n'y a pas équivalence. Je suis contente que vous le disiez. Et c'est très important. Alors, vous... Justement, Elisabeth, vous aviez la parole, je vais vous la redonner. Vous venez de sortir un magnifique album qui s'appelle Le Rossignol et la Rose. Ce sont des mélodies françaises de Saint-Saëns, Gounod, Debussy et Delibes. Des mélodies rares, parce que notre musique française n'est pas toujours assez portée. Et il y a dans les tiroirs de la Bibliothèque nationale des tas d'œuvres oubliées. Ça commence à tomber en lambeaux, hein, il faut le savoir. Mais il faut aller les chercher avant que ce soit des vrais petits morceaux et de la poussière. Merci beaucoup de restaurer ce répertoire. Voilà. Alors, je crois que vous vouliez dire aussi un mot au sujet de l'Académie internationale d'été de Nice. Je veux les remercier parce qu'ils sont partenaires de Prodige à leur manière en offrant des bourses d'études l'été. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Aviva, la candidate de l'année précédente. Ça, c'est formidable. Voilà, maintenant, Angélique, qui a 15 ans, elle vient d'ici les Moulineaux, dans le sud de Paris, et étudie aux ateliers du chant du 15e arrondissement à Paris. Avant de fondre littéralement pour le chant, elle a étudié le violoncelle pendant 7 ans. Et une gamine qui étudie d'abord un instrument et après se met au chant, eh bien, ça fait avant tout une musicienne aguerrie qui va interpréter maintenant le célèbre chœur des esclaves de Nabucco de l'opéra de Verdi, accompagnée des 45 chanteurs du chœur du théâtre du Capitole de Toulouse. Je m'appelle Angélique, j'ai 14 ans, je suis en seconde et j'habite à Issy-les-Moulineaux. La musique, ça représente tout pour moi. Depuis déjà 9 ans, je joue du violoncelle et ça fait 2 ans que je fais du chant. Ça prend une énorme place dans ma vie. Quand j'ai découvert le lyrique, ça a été un véritable coup de foudre musical. Quand je chante, je deviens une autre, et cette autre, elle est super. Elle a de la prestance sur scène, elle est plus sûre d'elle. Avant de participer à Prodige, je connaissais pas Va Pensiero. C'est un morceau très intéressant, avec une grande puissance. J'ai pas l'habitude de travailler avec la puissance, plutôt avec l'émotion. C'est très nouveau pour moi et très intéressant.
Pour moi, un prodige, c'est quelqu'un qui a un talent, un don. Je ne sais pas du tout si j'en fais partie, mais c'est le jury qui va me permettre de savoir la réponse. Là, c'est mon rêve qui va se réaliser. C'est une grande scène avec un orchestre, un chœur, un jury super et des spectateurs. J'aimerais bien émouvoir et impressionner toute ma famille. Peut-être même décrocher une larme à ma maman. Soirée incroyable. Alors n'oubliez pas le hashtag prodige pour participer à notre belle soirée chez vous. Merci. Alors, Elisabeth, nous nous rapprochons de vous. C'est vraiment remarquable. Et puis tu as gardé ton calme et tu as été parfaitement juste. On a vu que tu t'es recherché un petit peu au point de vue tempo parce que tu sentais les choses un peu plus vite. Dans ces cas-là, il faut avoir le cran d'aller voir monsieur le chef d'orchestre ou de le regarder juste un petit peu en biais comme ça. Et puis de lui dire tam, pam, pam. Et tu vois, et de l'impliquer dans ton rythme toi-même. Parce que ça, c'est important. C'est vraiment très bien. Et tu peux continuer à travailler avec bonheur. Merci, Elisabeth. Gauthier, qu'en pensez-vous?
J'ai senti chez toi, alors je ne sais pas si c'est du fait que tu aies fait du violoncelle pendant, pendant 7 ans, probablement, mais je t'ai senti vraiment ancré dans le sol. Je t'ai senti sereine, apaisée. J'ai senti que tu as fait ce petit mouvement, tu dansais avec la musique. J'ai vraiment apprécié ton émotion, le timbre de ta voix. Je trouve que tu pourrais avoir plus de contact. En tout cas, bravo à toi. Patrick Dupont. Angélique, quand je t'entends, quand je te vois, j'entends ta musique intérieure. Et en fait, j'entends ce violoncelle, j'entends ce chant que tu as, mais j'entends ton âme. Et j'aurais envie de dire à ton âme, n'aie pas peur d'attaquer la mesure. Tu connais ce terme, tu sais, justement avec l'archer, sur certaines suites de Bach, on attaque. Sur certains pas de danse, on attaque. Et sur certaines notes, comme te disait Elisabeth, maestro. Voilà. Attaquons. Voilà. Tu vois, bravo. Oui, alors voilà, ça. Il faut qu'elle attaque, il faut qu'elle charme, voilà. Il faut qu'elle impose. Il voilà, vous allez en faire une diva. Et franchement, c'est beau. Nous ne sommes qu'au début de notre émission et déjà, eh bien, l'enjeu est de taille puisque nous avons écouté tous les jeunes chanteurs de notre concours. Il faut maintenant désigner celui ou celle qui mérite sa place en finale et quoi qu'il arrive, remportera une bourse d'études. C'est au jury de trancher. Néanmoins, nous allons vous aider avec ce petit retour en images sur les 4 prestations de la catégorie chant. Soyez bien attentifs chez vous, car après ces images, vous pourrez jouer avec nous pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 euros mise en jeu ce soir. Regardez. C'est maintenant à vous de jouer pour tenter de remporter les 10 000 euros mis en jeu ce soir. Pour faire partie du tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Quelle œuvre de Verdi, Angélique, a-t-elle interprétée ? 1. Nabucco. 2. La Traviata. Envoyez vite 1 ou 2 par SMS au 72121 ou appelez le 3632. Attention, je vous donne 5 minutes pour jouer. Le gagnant des 10 000 euros sera tiré au sort en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses. Alors bonne chance à tous. Alors, le jury a fait son choix et je vais maintenant poser la question à Elisabeth Vidal. Chère Elisabeth, laquelle de ces 4 voix remporte notre catégorie chant ? Eh bien, c'est vrai qu'il faut un gagnant et c'est vrai que le gagnant, en fait, c'est souvent celui qui réunit plusieurs paramètres dans son succès. Et celui ce soir qui a été à la fois un interprète juste par rapport au rôle qu'il a interprété, par rapport à la musique, par rapport aussi à sa vérité, sa simplicité, eh bien c'est le petit chérubin qui était un vrai chérubin pour nous ce soir. Et c'est Jacob. Jacob. Bravo Jacob. Tu remportes une bourse d'études et on te retrouvera tout à l'heure en finale. C'est peut-être, peut-être toi, le prodige 2015. Oh. Ouh là là. Ouh. Oh là, okay. Là, là là. Je voulais lui poser une question, mais l'émotion, je pense. Alors, vas-y, dis-moi tout ce que tu as envie de dire.
J'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenue jusqu'à maintenant. La ville de Lille, le conservatoire de Lille, ma prof de chant, Madame Françoise Semelaz. Oh, Madame Françoise Semelaz. Bravo, Françoise. Jacob, on se retrouve en fin d'émission pour savoir si tu es le prodige. Merci. Alors, c'est déjà la deuxième catégorie, l'univers des instruments classiques, votre univers, Gauthier, donc s'ouvre droit devant nous. Ils sont 5 musiciens et musiciennes entre 8 ans et 15 ans. Il y aura cette année du piano, chouette, du violon, waouh, super chouette, mais il y aura aussi de la harpe, et ça c'est plus rare, et de la flûte traversière. Alors voilà, la catégorie instruments, c'est maintenant. La compétition continue avec la catégorie instruments. Les 5 concurrents instrumentistes sont Oscar, 15 ans, Mathieu, 13 ans, Angelina, 8 ans, Elisa, 13 ans et Fanny, 15 ans. Le jury spécialiste de la catégorie instruments est Gauthier Capuçon. Violoncelliste surdoué, reconnu par ses pairs, il se produit dans le monde entier sous la direction des plus grands chefs d'orchestre. J'attends de Prodige saison 2 d'être encore surpris. De vraiment de découvrir des jeunes artistes talentueux qui fassent rêver les autres jeunes, qui suscitent que ce soit des vocations ou de nouveaux auditeurs et spectateurs pour la musique classique. Et puis j'attends qu'ils se fassent plaisir sur scène, parce que quand on a du plaisir sur scène, alors on peut le transmettre et le partager avec le public, parce que finalement c'est ça la musique, c'est un partage. Le premier prodige à concourir dans la catégorie instruments est Oscar. Je m'appelle Oscar, j'ai 15 ans, je suis en première S, je viens de Roubaix et je fais du piano et du violon. J'ai fait très tôt de la musique, mais ça m'a assez vite plu parce que c'est toujours un dialogue, donc soit un dialogue avec l'instrument, soit un dialogue avec les gens qui m'écoutent. Forcément, c'est pas facile, ça demande de la concentration et beaucoup de travail, mais ça me plaît beaucoup. Quand je fais pas de musique, j'adore faire plein de trucs. Par exemple, je fais du kendo, donc c'est un art martial japonais. Donc, littéralement, ça veut dire la voix du sabre. J'essaye de m'entraîner souvent et j'aime ça. C'est une autre forme d'art. Mes parents n'ont plus besoin de me dire d'aller travailler mon violon ou mon piano. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Ils me disent d'arrêter de travailler mon violon et mon piano pour aller faire mes devoirs. Moi, ça m'énerve. J'ai pas envie de faire mes devoirs. Je préfère faire du violon et du piano. Entre jouer d'un instrument ou faire une disserte, le choix est assez vite fait pour moi. Moi, ce soir, au piano, je vais jouer Asturias de Isaac Albéniz. Et au violon, je jouerai Xardas de Vittorio Monti. Ce sont deux œuvres qui font de la partie de la musique du monde. C'est de la musique un peu populaire. J'aime beaucoup, c'est très énergique, très rythmé. C'est ce qui me plaît dans la musique. Je rentre sur scène dans 5 minutes. J'ai le cœur qui part un peu plus vite que d'habitude et mon esprit est un peu perturbé, mais je vais essayer de calmer tout ça pour que ça se passe bien sur scène. Ça va être une émotion très forte et très agréable. Une chose est sûre, ça va être un très grand moment. Thank you.
Excellent. Merci, Oscar. Alors, on est donc chez les instrumentistes. Je vous demande, Gauthier, que pensez-vous du travail d'Oscar ? J'étais tout de suite, quand tu t'es mis au piano, je me suis tout de suite dit, moi, il y a un super sens du rythme. J'étais senti très concentré. Et quand tu as pris le violon, j'ai pas... Alors, est-ce que tu t'es laissé dominer un tout petit peu par ta main gauche ? Est-ce que tu t'es emballé un petit peu avec le stress ? Mais j'ai pas senti cette assise rythmique que tu avais au piano. Oui, je me suis emballé un peu au violon. Tu as senti... Bon, en même temps, c'est une pièce très difficile. Mais bon, j'ai eu quelques petits problèmes, mais je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et toc ! Et voilà. Non, mais... Moi, je pense que ça s'est bien passé aussi. Elisabeth, mais alors répondons à ce duo charmeur, là. Maintenant, effectivement, je pense que... Enfin, mais c'est un peu mon chemin, parce que je pense que pour être dans l'excellence, mais ça, tu le verras après, toi, je pense qu'il y a un jour où tu devras choisir. Parce que... Oh. Ouais. Mais parfois, on garde bien deux amoureux. Ben, c'est pas bien, ça, Marianne. Je suis très déçue. Oui, c'est pas bien, c'est pour mais ça non, que c'est franchement. Bon. C'est pour ça que c'est parce que c'est pas bien. Si c'était bien, on n'en garderait pas deux. Oh. Mais justement, je n'adhère pas. Je pense qu'on s'utilise soi-même. Nous sommes un corps-instrument. Et pour trouver l'excellence, je suis désolée, dans la vie, par exemple pour le chant, je n'ai fait que ça de ma vie. Je suis désolée. Oh, je suis... vous n'avez pas fait que ça. Non. Mais si. Ouais. Et je pense que plus tard, s'ils recherchent l'excellence, il faudra qu'ils choisissent. Voilà. Merci, voilà. Elisabeth. Patrick Dupont, alors. Moi, j'ai bien aimé le violon parce que j'ai trouvé que ça dansait plus. Bon, c'est mon truc, bien hein, sûr, vous c'est savez. Une Asturias et une Xardas hongroise, exactement, voilà. Mais en tous les cas, Oscar, bravo. Et mais effectivement, il va y avoir un jour où il va falloir que tu choisisses, sans jamais abandonner ni l'un ni l'autre, hein, mais évidemment. Mais j'ai deux amours, mon pays et Paris, le piano, le violon. Pourquoi pas chanter ou danser et danser amours, et ouais, le et piano, ouais. Le violon. Ouais, le piano, le violon, non ? Merci beaucoup à notre jury. Ouais. Merci, Oscar. Alors, j'ai un petit sondage que j'aimerais vous faire connaître. Alors, donc, selon ce sondage réalisé par notre partenaire média Télé 7 jours et France Bleu, 6% des personnes interrogées écoutent de la musique classique en faisant du sport. Bon. 17% en se prélassant dans un bon bain et 76% installés dans leur fauteuil. Moi, je trouve qu'il manque une catégorie, mais bon, après, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que câlin et classique, ça va très bien ensemble, mais bon... Exact. Mais bon, alors, Marianne, qu'as-tu mangé ? Et pour 85% des 8-16 ans, la musique classique rend calme et apporte zénitude. Alors, si vous trouvez vos ados un petit peu, on va dire, difficiles parfois, eh bien, écoutez du Mozart. Je suis heureuse de vous annoncer que nous allons entendre maintenant de la harpe. Cette harpe vénérable va être domptée par la jeune Elisa de 13 ans qui vient de Châtenay-Malabry. Elle va jouer un extrait du célèbre concerto de Rodrigo. Oscar, venez avec moi. Je m'appelle Elisa, j'ai 13 ans et je fais de la harpe. Ça fait 6 ans que je fais de la harpe. Dès que j'ai commencé, ça a été le coup de foudre. J'ai vraiment énormément aimé dès le début. Quand je fais pas de harpe, je suis avec mes amis. On aime bien se maquiller entre nous et tout pour rigoler. Il y a des personnes qui trouvent que je parle beaucoup, surtout les professeurs au collège. Oui. Je suis très pipelette, oui. Mon instrument, il me reflète parce que je peux être douce, gentil et calme, même si je suis une pipelette. Alors ce soir, je vais jouer le concerto d'Aranjuez de Rodrigo. C'est un concerto avec beaucoup de caractère, il faut que ça soit forté. Ce qui est le plus difficile dans ce morceau, c'est le rythme et puis être aussi avec l'orchestre, puisqu'on n'est pas toujours très ensemble. Quand je joue, je me sens vraiment bien, je suis comme dans un rêve un peu. Avant de monter sur scène, je suis stressée et excitée aussi. Et puis quand j'arrive sur scène, j'ai plus rien. Enfin, je stresse plus du tout et je profite. Thank you.
Alors, Elisa, comment tu te sens? Bah, beaucoup moins stressée et très contente. Très contente? Oui. Mmh. Cette œuvre, tu l'as abordée comment? C'est difficile à jouer? Oui, très. Gauthier. Je trouve ça assez fascinant parce que je te vois là, je sens que tu es un petit peu stressé, ce qui est complètement normal. Et en même temps, quand on te voit à la harpe, on a l'impression que tu ne fais qu'un avec ton instrument. Et c'est vraiment très impressionnant. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle joue sur la banquette qui est très haute. Elle a les pieds qui touchent à peine les pédales. Et elle maîtrise cet instrument. Vraiment, on a l'impression que l'instrument fait corps avec toi, ce qui est vraiment un compliment. Quand un instrumentiste et son instrument 1 plus 1 égale 1, c'est que, voilà, si tu nous fais passer ça. 1 plus 1 égale 1, bravo. Patrick Dupont. Eh bien, en fait, je sais pas, tu es déjà allé en Espagne? Hallucinant. Tu nous as transportés dans cette Espagne tellement lyrique, tellement belle, tellement noble. Tu as ça en toi, tu es habité par le compositeur qui a écrit ce chef-d'œuvre. Tu es habité par la justesse. Bref, waouh, quel trip. Waouh, Elisa. Wow. Elisabeth Vidal. La finesse, la beauté, la délicatesse. Tu nous as emmenés dans cet univers lâché, sensible, profond. Tu étais en osmose parfaite avec l'orchestre. Ah. J'ai pensé que Rodrigo, s'il t'entendait, allait être bien fier de toi. Merci à tous les trois. Accueillons maintenant la Benjamine de Prodige 2015. Elle joue du piano depuis l'âge de 4 ans et elle en a 8. Elle s'appelle Angelina, c'est une petite berruyère. Elle nous vient de quelle ville alors? Oh, ils savent tout, elle vient de Bourges. C'est un véritable tourbillon cette gamine. Elle fait de la danse, du violon, du piano au Conservatoire de Bourges bien sûr. Et justement, au piano, elle va nous interpréter un extrait du concerto numéro 3 de Jean-Sébastien Bach. Ah ah, Elisa? Je m'appelle Angelina, j'ai presque 8 ans, je viens de Bourges et je joue du piano. Quand je joue du piano, je me sens bien, je suis zen. Ça me donne envie de rigoler, de pleurer de joie. Je joue des fois pour les concerts, pour un peu donner à ceux qui sont malades ou qui sont très âgés. J'aime bien donner à ceux qui sont comme ça un petit peu le sourire aussi. Mon caractère est joyeux et aussi énergique surtout. Coucou! Coucou! Je vais être la star ce soir! Je vais jouer Bach, prélude en ré majeur. Pour moi, c'est quand je fais les la 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 et aussi la sa la 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 la. Moi, j'aime bien jouer du piano avec l'orchestre. J'aime bien faire des aventures nouvelles, des expériences nouvelles, des chansons nouvelles, par exemple. J'aime bien les concours parce que j'aime bien qu'on me félicite et donner le sourire aux gens aussi. Quand je vais monter sur scène, j'aurai pas le temps d'avoir peur ou d'avoir la trouille ou d'être stressée. J'aurai juste le temps de penser à la musique et de se donner le plaisir. Thank you.
Une standing ovation pour notre Angelina. Merci mes amis, merci les Albigeois. Angelina, ça fait quoi de se faire ovationner comme ça? Eh bien, ça donne de la joie. Tu es magnifique. Gauthier Capuçon, s'il vous plaît. Écoute, c'est impressionnant de te voir. On sent que tu es habité par la musique. Je trouve ça assez presque flippant de voir ça à ton âge, finalement, de voir à 8 ans. Si, si, parce qu'on sent qu'elle est inspirée, elle est vraiment dans la musique. Je dis ça dans le bon sens du terme. Hein. Et c'est... ouais, c'est impressionnant de te voir comme ça. Merci. Merci, Gauthier. Elisabeth ? J'ai rencontré Angelina dans les coulisses. Quelqu'un lui a dit, je suis du jury, tu sais. Elle lui fait, ah bon, tiens, voilà mes bonbons. Et elle a envie de chanter, de danser. C'est une énergie exceptionnelle. C'est une personnalité. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on attend d'un prodige. Magnifique. Alors là, Patrick, il est scotché. Ah, je ne sais pas ce que vous allez dire. Angelina me fait tellement penser à moi quand j'avais son âge. Quoi. C'est parce que tout le monde sait très bien que Jean-Sébastien Bach, c'est une rythmique, hein, c'est une base musicale carrée un peu. Mais Jean-Sébastien Bach, c'est aussi des mélodies hallucinantes de beauté. Et alors, je voudrais te poser une question, Angelina. Est-ce que tu nous racontes quelque chose quand tu joues Bach comme ça? Eh bien, j'aime bien raconter des histoires, au piano, surtout à la musique. Ouais. Et j'avais raconté que cette chanson, elle était gaie, elle était comme un petit cheval qui galope. Super, magnifique. Qui fasse trop. Oui. Oh, ben voilà, voyez. Merci à tous les trois. Bon, Gauthier, je reviens quelques instants à vous. Eh bien, votre album, votre tout nouveau disque, Shostakovich, The Cello Concerto, est dans les bacs. Dites-moi juste un petit peu plus. Alors, ce sont les deux concertos de Shostakovich qu'on a enregistrés en live avec l'orchestre du Mariinsky et Valery Gergiev. Le premier a été enregistré à Paris, à la salle Pleyel, et le deuxième à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc c'est un deuxième album que je sors avec eux. C'était vraiment une expérience grande et riche. C'est une très très belle idée de cadeau, hein, en ces jours de fête. Voilà. Et puis, vous animez toujours des classes d'excellence à la Fondation Vuitton. Voilà. Voilà. Merci Angelina. Ben, bisous. Tu veux dire quelque chose encore? Ah. Merci beaucoup au public, au jury et à l'orchestre. Et je voudrais aussi remercier la chef d'orchestre, plutôt. Ah. Oh, c'est trop mignon. Waouh. Tout est dit. Alors, maintenant... Du haut de ses 13 ans, le beau Mathieu et son violon vont nous interpréter l'automne de Vivaldi. Mais avant ça, je vais juste vous dire que Mathieu vient d'une famille de musiciens qu'il espère monter un quatuor en famille. Mathieu travaille beaucoup avec son papa. Il étudie au conservatoire d'Aulnay-sous-Bois. Et enfin, ses deux passions sont le sport, mais vraiment, il nous en parlera, et la musique. Je m'appelle Mathieu, j'ai 13 ans, je suis en quatrième et je joue du violon. J'adore le sport et je déteste rien faire. Je fais de la natation, du tennis et de l'aïkido. Si je devais choisir entre la musique et le sport, je choisirais aucun des deux. J'ai besoin des deux pour m'amuser dans la vie. Quand mes parents nous ont eu avec mon frère, ils ont eu une petite idée, c'est de faire une sorte de quatuor pour jouer en concert tous les quatre en famille. Donc ma mère à l'alto, mon père en second violon, moi en premier violon et mon petit frère au violoncelle. Pouvoir jouer avec sa famille en quatuor, c'est extraordinaire. J'adore jouer du violon, je me sens dans mon nuage. C'est sûrement pour ça que je suis très tête en l'air. Je joue un morceau que j'imaginais jouer à 16 ans. C'est l'automne des 4 saisons de Vivaldi. C'est un morceau que j'adore, qui est assez difficile techniquement. Faire prodige, ça me fait énormément plaisir. Passer à la télé dans une émission de musique, c'était un de mes rêves. Je vais faire de mon mieux et j'espère que je vais très bien jouer. Thank you.
Bravo. Je vous en prie, monsieur. Encore faites-vous saluer. Allez-y. Alors, c'était magnifique. C'était très beau. Comment te sens-tu? C'était extraordinaire. Je me sens hyper bien, hyper heureux. Il faut savoir que ce jeune homme, il est grand hein, pour 12 ans, hein, parce que moi je suis grande. Hein. Alors vous regardez, c'est un grand garçon. Alors ce garçon, ben voilà, sa journée, ça commence par du Vivaldi, il enchaîne avec du tennis, il passe à Mozart, il fait de l'aïkido, voilà, à peu près. Et je pense que le sport t'aide vraiment aussi pour la discipline musique. J'adore le sport, ça m'aide à me détendre le soir après l'école et j'adore le sport. Je voudrais vous dire que ces enfants sont tous, sauf des singes savants, ce sont des enfants tout à fait normaux. Ils aiment énormément le sport, ils ont des réseaux sociaux, ils ont des familles, ils s'amusent. C'était pour rassurer tous ceux qui pensaient que, voilà, hein, la vie est belle. Hein. Gauthier Capuçon, s'il vous plaît. On sent que tu es bien avec ton instrument. J'aime beaucoup ta prise de son. Tu es dans l'accord, tu as une belle prise de son, une très belle musicalité. Je trouve que tu pourrais peut-être gagner un peu plus en un petit peu plus de folie. Je sens que c'est très bien travaillé. En même temps, tu es inspiré, donc je ne suis pas du tout en train de dire... hein, tu es très inspiré, mais il manque un petit peps de folie. Voilà. Bravo. Patrick Dupont, j'aimerais avoir votre avis. Bah, en fait, je suis très, très étonné que tu n'aies que 12 ans. Je ne te vois pas comme quelqu'un qui a 12 ans, et c'est un compliment. Je vais te mettre une très très bonne note, parce que pour moi, tu es déjà un professionnel. Tu es habité par quelqu'un qui est un musicien professionnel. C'est-à-dire, effectivement, ta prise de son, elle est faite, elle est carrée, elle est nette, elle est claire. Et surtout, je sens en toi une immense obéissance par rapport à la musique. Et puis un désir aussi de s'élargir et de voler plus loin. Mais tu n'as que 12 ans, quoi. Et là, ouais, prodige. Ouais, vraiment. Elisabeth Vidal. Moi, j'ai une question, Mathieu, qui concerne les sports que tu pratiques. Ce qui m'a frappée quand je t'ai vue, c'est ton ancrage au sol. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation que par les pieds, bien ancrés dans la terre, eh bien, se créer une vague de souplesse et d'élasticité qui te permettait déjà, eh bien, d'avoir un son rond, ouais, la posture, avec une posture élastique, une posture. Un bras vivant, ouais, c'est vrai. Et que justement, ça te permettait aussi de respirer souplement. Est-ce que tu le sens comme ça? Bah, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais je pense maintenant que vous me le dites, je pense que ça pourrait m'aider. C'est vrai. Merci à notre jury, chérie. Merci. Merci beaucoup à toi. Bon, Mathieu s'en va et il laisse sa place à Fanny, car Fanny a 15 ans, elle est de Nevers, et comme Mathieu, elle vient d'une famille de musiciens. Son père est compositeur, sa maman flûtiste. Et tiens, comme par hasard, Fanny va nous faire entendre deux mélodies à la flûte traversière. La première est très, très, très connue. C'est la fameuse badinerie de la suite numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. Vous savez... Et la deuxième mélodie, l'incontournable et célébrissime Vol du Bourdon, extrait d'un opéra beaucoup moins connu, Le Conte du Tsar Saltan de Rimsky-Korsakov. Un vol de Bourdon au mois de décembre à Albi, ça nous fait un très long été indien. Je m'appelle Fanny, j'ai 15 ans, je viens de Nevers, je suis en seconde et je fais de la flûte. J'ai commencé la flûte parce que je voulais faire comme ma mère, donc j'avais 6 ans, je trouvais que c'était un magnifique instrument, le son était magnifique. Aujourd'hui c'est pareil, je suis absolument in love de la flûte, j'adore ça et je peux pas m'en passer. Je fais de la flûte mais c'est pas pour ça que je suis pas une ado normale, enfin j'adore ressortir avec les amis, faire du shopping, aller au cinéma. Grâce à la flûte, j'arrive à exprimer mes émotions. Je me libère complètement. Quand je suis un peu triste, j'ai deux techniques. Donc soit je joue de la flûte et je me défoule, soit je mange du chocolat. Si je participe à Prodige, c'est pour prouver à quelqu'un de ma classe que Beethoven, c'est aussi bien que Daft Punk. Je vais jouer le vol du Bourdon et la badinerie de Bach.
Je pense que le vol du bourdon, ça me ressemble beaucoup parce que je suis un peu speed dans la vie. Dans le vol du bourdon, la difficulté, c'est vraiment les respirations. Il faut tenir la phrase jusqu'au bout. Il faut vraiment que ça donne du son, voilà, du peps, parce que le vol du bourdon, voilà, ça déménage. Les dernières minutes avant de monter sur scène vont être rudes, je pense. J'ai transformé ma flûte en bourdon et puis voilà, je m'envolais. C'est magnifique. Oh là là, moi j'adore. Oh là là, Fanny, ça y est, tu es un bourdon. Elle nous a dit ça en coulisses. Je veux que ma flûte devienne un bourdon. Oh Fanny, va te faire applaudir. Va vite. Regarde. Regarde tout l'orchestre applaudir. Regarde ça. L'orchestre l'applaudit, c'est pour vous dire. Merci les Toulousains. Fanny nous a parlé et elle nous a simplement dit qu'elle voulait prouver à tout le monde que la musique classique, c'était pas ringard. Mais alors, moi, j'ai envie de dire, mais c'est ringard de dire que la musique classique est ringarde. Hein. Ouais. Le classique, ouais. Ma chérie, est la seule chose qui ne se démode pas. Et oui, bon, et oui, il n'y a pas que David Guetta et Lady Gaga dans la vie. Ceci dit, franchement, Fanny, le vol du bourdon sifflé par Rihanna et mixé par Daft Punk, alors là, peut-être que Rimsky-Korsakov va se retourner dans la tombe. Bah, ça va le détendre. Mais peut-être que ça ferait un tube planétaire, voilà, à y penser. Alors, mon cher Gauthier, qu'avez-vous pensé de ce vol de cet insecte hyménoptère? Écoute, bravo, parce que je sentais vraiment le caractère était là. En même temps, tu vois, t'as ses yeux qui pétillent, c'est magnifique. Bravo de jouer aussi, quand même, sans chef. Bravo aux musiciens qui jouent avec toi, parce que quand même, c'est pas une pièce facile à jouer sans chef. Bravo à toi aussi,
qui sait, tu es au milieu d'eux et tu les diriges, tu les écoutes. Vraiment, je te félicite, j'en perds mes mots. Mais... Chouette, formidable. Une femme qui nous fait tourner les mots, c'est magnifique. Ah, ouais. Elisabeth Vidal, s'il vous plaît. Moi, je suis évidemment sensible toujours aux tenues magnifiques qu'elle a faites avec sa prise d'air, parce que c'est quand même très, très difficile. Il y a très peu de temps pour respirer dans cette œuvre-là. Et elle a su magnifiquement, chaque fois, hop, ouvrir pour prendre ce qu'il faut, sans bruit, hop, et tout de suite restituer la phrase jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et magnifiquement, et avec aussi beaucoup de souplesse. Et c'est cette souplesse qui lui a permis de diriger l'orchestre avec son corps, juste par des petites inflexions, et qui a assuré la cohérence. Bravo, messieurs et dames. C'est vrai, tu as dirigé l'orchestre. Waouh. Monsieur Dupont. Il y a une jubilation dans la technique. Chez toi, il y a une joie. Regarde ce sourire, c'est hallucinant, c'est génial. Ça, c'est cool. Genre, même pas mal, même pas mal, trop facile. Et j'adore cette prise de position par rapport à la technique. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, tu t'es inscrite avec les musiciens de l'orchestre, tu t'es inscrite chez nous, tu nous as dit, vous allez voir comme c'est cool et comme c'est facile. Je le maîtrise et c'est extraordinaire. On a envie que ça continue. On a envie que tu t'arrêtes pas. Donc, s'il te plaît, ne t'arrête jamais de ça, de faire ça. Alors, c'est trop beau. Je te laisse le micro quelques instants, je t'en prie. Merci beaucoup. C'est vraiment énormissime ce qui m'arrive. Enfin, jouer avec orchestre, c'est un truc, ça m'est jamais arrivé. Et c'est la première fois. C'est vraiment une... Alors, après les réjouissances, un moment un peu plus tendu pour vous, le jury, effectivement. On vient d'écouter nos 5 instrumentistes. Il est temps pour vous de débattre, cher jury. Alors, juste avant, pour vous rafraîchir un peu les émotions et le cœur, on va revoir les prestations de nos 5 jeunes artistes. Chers téléspectateurs, vous savez qu'il y a un jeu ce soir et que vous pourriez remporter les 10 000 euros. Mais encore faut-il que vous répondiez à cette question. De quel instrument Mathieu a-t-il joué ? 1. Du violon, 2. De la flûte. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32. Attention, vous n'avez plus que 5 minutes pour jouer. Le gagnant des 10 000 euros sera tiré au sort en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses. Bon, alors moment difficile. Cher Gauthier Capuçon, cher violoncelliste, my Jack Sparrow. Je vous demande maintenant de nous annoncer le nom du finaliste de la catégorie instrument. Moi, je voudrais tout d'abord tous vous féliciter parce que vous nous avez tous donné du plaisir. Encore une fois, ça représente beaucoup de travail. Donc, je vous félicite tous. Même si, comme dit Marianne, il y a toujours un gagnant. Et ce soir,
La gagnante, c'est Elisa. Bravo. La harpiste, Elisa. Alors, Elisa, on va te retrouver tout à l'heure en finale. Voilà, le micro est à toi. Je voulais juste dire que c'était vraiment une expérience extraordinaire et que vous avez tous très bien joué ce soir et je vous félicite tous aussi. Merci Elisa. Bravo. Angelina. Oh, mais ça fait que commencer pour Angelina, vous imaginez. Mais Angelina, elle est partie aussi. Hein. Un petit mot, un tout petit mot. Coucou. Coucou. Bon, allez. Alors voici l'ultime catégorie de notre concours, à présent, c'est la danse. Et je veux d'ores et déjà vous annoncer que comme l'année dernière, chacun de nos petits prodiges sera accompagné par les danseurs du ballet du Palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Nous regardons. L'ultime catégorie de la compétition Prodige 2015 est la catégorie danse. Les quatre concurrents danseurs sont Nelly, 16 ans, Rubens, 13 ans, Clara, 13 ans, et Melvin, 15 ans. Le juré spécialiste de la catégorie danse est Patrick Dupont. Reconnu comme l'un des plus grands danseurs étoiles de tous les temps, il devient directeur de l'école de l'Opéra de Paris à tout juste 30 ans. Cette année, je pense qu'on se donne le temps de véritablement dire les bonnes choses et faire les bonnes choses pour ces jeunes artistes. Je pense que je vais être un jury enthousiaste, certes, mais clairvoyant et bienveillant. Je ne peux même plus attendre de les découvrir. Je n'ai qu'une envie, c'est savoir qui va être sur scène. La première danseuse à se produire sur scène est Clara. Je m'appelle Clara, j'ai 13 ans, je suis en 4e et je viens de Perpignan. Ma maman faisait de la danse et j'assistais au cours de danse qu'elle faisait. J'avais envie d'essayer, un jour j'ai fait un cours de danse et j'ai pas voulu arrêter. Je danse dans les magasins, dans la rue, dans la cour de l'école. Si j'ai eu des mauvaises notes, si j'ai passé une mauvaise journée, quand je commence à danser, j'oublie tout. Quand je suis pas en train de danser, j'aime bien créer des vêtements et faire des petits concours de mode. Je suis un peu une fashion victime, tout petit. On va par l'extérieur. Un, et vers là-bas. Deux, allez, soulève ta cuisse, angle droit. Ce soir, je vais danser sur Pavane. C'est quand même assez compliqué à danser dessus parce qu'il faut mettre beaucoup d'artistique pour transmettre une émotion qui va toucher les gens. Des fois, j'ai envie que ça bouge un peu plus, mais il faut que j'arrive à me retenir un peu et à essayer de me faire porter par la musique. Pour chaque concours, j'ai un petit porte-bonheur, un petit gris-gris. C'est de porter les boucles d'oreilles de mon arrière-grand-mère, Pierrette. Et elles m'ont toujours porté chance et j'aimerais bien qu'elles me portent aussi chance aujourd'hui. Je croise les doigts. Thank you.
guitare. Non, mais je peux pas danser. Ah non, mais super bon trait. Ouais, tu parles. Alors, Clara, je te laisse reprendre ton souffle. Alors, monsieur Patrick Dupont, s'il vous plaît, nous sommes enfin sur votre territoire. Ah oui. Je t'aime beaucoup, Clara. J'aime beaucoup ce que je viens de voir. Tu es une belle danseuse. Au-delà de ça, tu as des choses formidables de nuances et de fluidité sur cette mélodie, sur cette composition qui n'est pas aisée à faire puisque tu étais... La chorégraphie est presque à contre-temps, mais c'est fait exprès. Techniquement, ne te pose pas de questions. C'est bien, c'est très bien. Tout est là. Merci, Patrick. Elisabeth. Tu vas pouvoir t'envoler. J'ai trouvé ça absolument impeccable techniquement. C'est-à-dire que pas un instant on a douté aussi voilà, de sa stabilité. Ouais. On sait que tout y sera. Tu es une vraie jolie danseuse. C'est vrai qu'elle est jolie. Gauthier, s'il vous plaît. Ah, je l'ai trouvé magnifique. J'ai senti quand même en même temps cette grande perfection que tu as et cette fragilité aussi. J'ai trouvé, alors corrige-moi Patrick si je me trompe, mais j'ai trouvé que tu avais un port de tête assez impressionnant. Je trouve très ça magnifique, très très belle posture et beaucoup d'émotion. Bravo à toi. Nous accueillons maintenant, si tu le veux bien, nous accueillons Nelly. Alors c'est une voisine d'Albi puisqu'elle vient de Rodez. Son rêve est de devenir danseuse professionnelle, bien sûr, et elle est prête à énormément de sacrifices pour ça. Elle danse sur la suite orchestrale Peer Gynt d'Edvard Grieg. Je vous demande de l'encourager dès que vous la verrez ce soir. C'est son premier solo. Mademoiselle. Je m'appelle Nelly, j'ai 16 ans, je suis en première S et je vis à Toulouse. Je danse depuis que j'ai 3 ans et demi avec la même prof. Je peux vivre dans ce milieu très classique, très carré, mais pourtant j'aime pas forcément écouter quand je suis chez moi le soir de la musique classique. Des fois j'aime bien écouter autre chose aussi. J'aime un groupe en particulier, c'est Queen. J'adore leurs influences, j'adore ce groupe. Je veux devenir danseuse professionnelle, c'est pour ça que je suis partie de ma maison qui se trouve à Rodez. Je suis allée en famille d'accueil à Toulouse, donc voilà, j'ai quitté ma famille, c'était mon choix pour pouvoir réaliser mon rêve. Je vais danser sur une musique de Peer Gynt, elle s'appelle Au matin. C'est une musique très douce à mon goût, très romantique. Dans cette variation, la chose la plus compliquée, c'est qu'elle dure 3 minutes. Et c'est très long à tenir pour un danseur, donc c'est ça vraiment qui m'inquiète le plus. Dans la danse, ce qui peut être difficile, c'est les douleurs qu'on ressent. On peut avoir mal quelque part. Et le plus difficile, je pense que c'est la fatigue. Il faut réussir à danser même si on est fatigué des fois, et il faut surmonter ça. Ce que je préfère dans la danse, c'est la scène. Le fait d'être comme ça, devant plein de personnes, de donner et de recevoir aussi du public, car on fait les deux en même temps. Et je trouve ça exceptionnel, la scène.
Bravo Nelly. Félicitations, vraiment. Je t'en prie, encore un salut. Vous aussi, ce soir, vous pouvez encourager nos jeunes artistes grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore Twitter, avec le hashtag Prodige. Non, je ne te pose pas de questions, parce qu'il faut que tu reprennes ta respiration. Patrick Dupont, s'il vous plaît, dites-nous. Nelly, j'aimerais te dire, comme à une précédente concurrente, le mot merci. Parce que je trouve que tu danses comme si tu nous faisais un cadeau. Tu nous offres quelque chose. Ce qui est merveilleux, c'est que tu offres avec une gentillesse, une sincérité qui est désarmante, quoi, parce que tu as 16 ans, dans très peu de temps, tu vas être dans une compagnie de ballet, je peux te l'assurer. Tu vas être professionnel, tu vas gagner ta vie, et je sais que ça ne changera pas, ça. Tu vas continuer à donner avec cette candeur que je sens en toi qui me bouleverse. Franchement, merci, merci, voilà. Elisabeth, s'il vous plaît. Mais je me dis, mais quelle chance on a, nous, jurés, d'avoir cette place de roi. Voilà. Ici, être à deux pas de ces êtres qui vont s'envoler avec la plus grande qualité, ce que tu nous as apporté là, comme dit Patrick, mais c'est du don total. Et chaque fois que tu as ouvert les bras, mais c'était pour donner, quoi. Et on en a reçu, vraiment, plein de cœur. Ça te plaît? Je vais quand même demander à Gauthier. Alors, Gauthier, votre avis? Ouais, mais j'ai envie de te dire merci aussi. C'est une réelle émotion et c'est fou parce que cette exigence que tu as, bravo, parce que c'est bien d'avoir ça. Mais en tout cas, tu réussis à nous faire passer énormément d'émotions. Je sens beaucoup de grâce chez toi, une immense sincérité et humilité. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Oui. Ça se ressent, c'est très fort et merci pour cette émotion. C'est ça qui touchera ton public. C'est ça qui touchera ton public. Oh là là, quelle belle réponse. Quand même, un petit peu, quelques mots, s'il te plaît, Nelly. Je suis ravie de tout ce que vous m'avez dit. Et vraiment, c'est très important pour moi de donner au public. C'est vraiment ce que je cherche dans la danse. C'est donner. Et quand je donne, je reçois aussi. Donc, c'est tout ce que j'attends. Bravo. C'est tout ce qu'on aime. Merci, merci beaucoup, Nelly. Patrick Dupont, alors, vous êtes ambassadeur de la White Eagle Company, la compagnie de danse de Leila Darrocha, chorégraphe internationale, et vous partez en tournée mondiale pour sensibiliser alors, le public le plus large possible. Vous voulez les sensibiliser au respect de la paix dans le monde. Ce n'est pas rien. Oui, nous dansons pour de très grandes causes, dont évidemment celle de la paix dans le monde. Le droit à la différence, vous m'en avez parlé vraiment beaucoup. Le droit à la différence, nous sommes tous différents. Et donc Leila les met en valeur, elle met en valeur le sentiment, l'être humain, donner et recevoir, c'est la base même de ce que nous sommes. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors, Rubens a 13 ans, il vient de Garéou, dans le Var. Il travaille ses entrechats et son port de tête entre 2 et 3 heures par jour. Il a été récemment médaillé d'argent au concours de danse à Berlin, Et il rêve d'intégrer une grande compagnie new-yorkaise. Bon alors, pour l'instant, ce soir, il est avec nous. Il va virevolter de tout son art sur la fameuse, incontournable et trépidante polka Tritch Tratsch de Johann Strauss. Nelly, s'il vous plaît. Je m'appelle Rubens, j'ai 13 ans, je suis en 3e, j'habite à Garéou, en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Quand j'ai commencé à danser, je voulais être banquier pour gagner beaucoup d'argent. Et puis après, quand j'ai commencé à danser, je me suis de la passion avant. Du coup, j'ai voulu être danseur. Je suis de bonne humeur en général et beaucoup d'humour noir. Ma vanne du moment, c'est pourquoi Elvis Presley ne peut pas faire de marche arrière avec sa voiture. Parce qu'il est mort. 4. J'ai voulu commencer la danse. Comme je bougeais beaucoup et que ma mère en avait déjà fait, je me suis dit, je vais essayer. Et ça m'a plu au bout de 3 séances. Aspire et pose. Très bien. Et les gens de ma classe, au début, ils trouvaient ça un peu bizarre qu'un garçon fasse de la danse. Parce que pour un garçon, peut faire plein de choses. Et la danse, ça leur vient pas tout de suite à l'esprit. Mais... au fur et à mesure des années et des classes, ils prennent l'habitude et ils voient que je ne suis pas forcément différent. Je pense que je fais de la danse. Ce soir, je vais danser sur la musique Tritch Tratsch Polka. Une musique plutôt joyeuse, donc c'est plutôt bien.
C'est la première fois que je vais danser avec un orchestre et ça me fait très plaisir parce que ce sera une meilleure musique, de meilleure qualité que si c'était une simple machine. Quand je monterai sur scène, moi je veux partager l'amour de la danse avec le public et tous ceux qui regarderont l'émission. Ça va, hein? Ça va. Ok. Justement, cher Patrick, qu'avez-vous pensé du talentueux et très dynamique Rubens? Rubens, tu as quelque chose que j'adore. Tu danses, on n'a pas peur. On se dit, bah ouais, normal. Oh bah ouais, trois tours, bah ouais, cool. Oh bah bien. Oh bah là, il va sauter. Oh bah oui, puis il tourne. Oh, puis il vole. Oh bah ouais, bien. Bah ouais. Rien d'étonnant, rien de nouveau sur la Lune. T'as bien travaillé. Alors maintenant, je pourrais te dire, ok, tu as 13 ans. 14, 15, 16, tu vas voir, poum, ça va démarrer, tu vas mettre du muscle, tu vas sauter un peu plus haut, tu vas tourner, tu vas avoir envie de déchirer. C'est bien, c'est parce que ça va arriver sur un terrain, comme je dirais, qui est extraordinairement propre et bien et prêt. Il a un bon prof alors, c'est grave, ça que ça veut dire. Grave. Ah ouais, ouais, ouais. Comment s'appelle ton professeur? J'en ai deux, Marie-Claude Rouche et Eric Dufrier. Bah bravo parce que... Marie-Claude et Eric, merci. Bah, franchement. Voilà. Ce petit Rubens, il a une très bonne base. Je peux vous dire que, au-delà de son âme, qui est une très belle âme, terminer un truc aussi difficile, puis dire, bah ouais, ça va. Okay. Gauthier. J'aime bien ça. Il y a un truc dans ces gens, je suis désolé, j'ai toujours des fascinations, mais t'as l'impression qu'il a les jambes en élastique. Ah yes. Non, c'est dingue. C'est dingue, je te vois, tu sautes comme ça, tu passes de gauche à droite avec des jambes. J'arrive pas à voir ton articulation au milieu, oui, j'ai l'impression qu'elle fait comme des ailes. Il a des jambes. Mais bon, ça va. Il a des jambes. Bravo. Et quelles jambes. Elisabeth,
Moi, je trouve que le caractère de la chauve-souris, tout ce que ça a de un petit peu provocant, tout ça, il l'a déjà dans l'expression, ça c'est formidable. Et avec une technique, bon, c'est pas mon domaine, oh, mais particulièrement propre, comme il a la base technique très bonne, parfaite, le muscle va venir, et comme il dit, il va seulement pouvoir faire plus et mieux. Donc génial. Ah, formidable. Ce sont des bonnes nouvelles. Rubens, un petit mot maintenant que tu as repris ton souffle, s'il te plaît. Bah, je tiens à dire merci à tous les jurys et surtout merci à Monsieur Patrick Dupont. Et toi ? Que j'ai touché. Bon, eh bien, voilà. Hein. Nous allons refermer la marche ce soir avec notre dernier candidat. Oh. Vraiment, il s'appelle Melvin. Voilà, Melvin a 15 ans. Ah. Melvin vient de Toulouse. Il travaille sa danse 5 heures par jour pour obtenir un résultat parfait. Il va danser sur un extrait de Guillaume Tell de Gioachino Rossini. Un jeune homme. Je m'appelle Melvin, j'ai 15 ans, je suis en seconde et je viens de Toulouse. En dehors de la danse, je suis passionné par la culture japonaise, j'adorerais visiter ce pays et quand je danse pas, je dessine des mangas. J'ai commencé la danse à 3 ans, mais toute ma vie, en fait, je n'ai jamais marché, j'ai directement dansé. Je me rappelle de mon premier cours de danse quand je suis arrivé en jogging et en t-shirt alors que toutes les petites filles, elles étaient en tutu et en collant. Ça m'a fait bizarre la première fois quand je suis rentré, mais après, je m'y suis habitué. Et à la fin du cours, ma prof à l'époque m'a dit que j'irais loin et pour le moment, elle a raison. Quand je danse surtout pour moi et aussi pour les gens qui me soutiennent, notamment mes parents qui, eux, ne peuvent pas marcher. Je pense que mes plus grands fans, c'est mes parents. Ce soir, je vais danser sur Guillaume Tell. Pour cette œuvre, je cherche vraiment à procurer une émotion et pour ça, il faut que je travaille beaucoup mon artistique. Mais là, maintenant, je suis prêt à danser ce soir. Pour moi, Prodige, c'est pas un concours comme les autres parce que dans les concours normaux, c'est vraiment seul contre tous. Alors que là, c'est vraiment... c'est une petite famille, quoi. Je suis très fier de faire partie de la famille Prodige. Mes parents peuvent pas forcément danser, mais je sais que ce soir, dans le public, ils vont danser avec moi. Thank you.
Bravo, bravissimo. Je vous en prie, Melvin. Le Toulousain Melvin, 15 ans. Alors, tout notre jury t'a regardé très attentivement. Mais pour ce qui est de la danse, c'est l'œil de Patrick Dupont et toujours son œil. Alors, votre œil, il dit quoi ? Que voulez-vous que je dise ? C'est exactement ça que je défends depuis plus de 40 ans maintenant, entre autres. Vous êtes fier, Patrick, hein ? Ça y est, je vais pleurer, vous êtes content ? Ah. Bravo Melvin, tu me fais pleurer, ça tu vas me le payer cher. Non, écoutez, franchement Melvin, tu as ce que j'adore par-dessus tout dans l'art, dans n'importe quel art, hein, c'est cette façon de faire des choses vraiment difficiles et pas forcément faites pour toi et pas forcément plaisantes, mais néanmoins très belles et bouleversantes parce que tu le fais avec un cœur comme ça. Qu'est-ce que je dis comme ça ? Je connais beaucoup de danseurs, j'en ai vu beaucoup, j'en vois encore beaucoup, mais tu as ça, que tu es universel. Tu as cet amour universel de ce que tu fais, et tout passe, quoi. Et tu peux aller encore plus loin, et je vois en toi un futur qui me fait tressaillir. Parce que tu es l'image de quelqu'un qui va aller très loin. Waouh, merci. Vraiment. Reprends ton souffle encore. Elisabeth. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Patrick. Moi, ce qui me frappe, c'est la personnalité tout à fait spéciale. Quelque chose qui se dégage de toi, qui n'est pas seulement la personnalité d'un danseur. Une personnalité qui est complètement atypique et effectivement, on t'imagine un destin qui va déborder de la simple danse. Moi, je t'imagine déjà en train d'inventer un nouveau langage corporel. Quelque chose qui va être peut-être, à toi et peut-être. Que tu vas donner aux autres. Qui va dépasser le simple langage de ton propre corps. Parce que tu dépasses l'académisme, déjà. Ouais. Gauthier, mais pourquoi cet œil noir et cette mèche coquine sur le côté ? Mais qu'est-ce qui se passe, Gauthier ? Pas du tout, parce que j'étais très impressionné. J'étais bouleversé par ce que tu as fait, une immense maîtrise bien sûr, mais moi ce qui m'a frappé, ce que j'ai ressenti très fort, c'est une grande noblesse. Ouais, ce que bien sûr, bien sûr. Et je te félicite pour ça parce que c'est une grande valeur à mes yeux, à mon cœur. En ce moment. Et je te remercie pour ça. Bravo. Tu te rends compte comme ils sont émus tous les trois. Bah, vous m'avez ému d'être ému. Toi tu m'as ému, qu'ils soient émus, que je sois ému et eux ils sont émus. Il faut que tu parles. Ah oui, un danseur ça parle. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Je tiens à remercier mon professeur, Mathieu Madsen, qui m'a aidé à travailler, et à Vincent Guissens aussi, à toute mon école de danse, surtout à mes parents, à mon frère, vraiment toute ma famille. Et par rapport à Patrick Dupont, alors, qu'est-ce que tu as... Je sais que tu veux lui dire quelque chose. Je vous remercie pour tous vos précieux conseils, vraiment. Mais quand tu veux. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes vigilants. Nous sommes là. Eh bien, nous venons de découvrir vraiment quatre danseurs formidables. Alors, qui va rester pour la finale et remporter une bourse d'études ? Avant de répondre, petit retour sur leurs prestations que je vous conseille de regarder attentivement car juste après, ce sera votre toute dernière chance de jouer avec nous pour tenter de gagner cette somme exceptionnelle de 10 000 euros mise en jeu ce soir. Regardez.
votre toute dernière chance de jouer avec nous pour tenter de remporter les 10 000 euros. Pour faire partie du tirage au sort, s'il vous plaît, répondez correctement à la question suivante. Sur quelle œuvre de Rossini Melvin a-t-il dansé ? 1. Guillaume Tell. 2. Othello. Envoyez un ou deux par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32. Dépêchez-vous, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Le gagnant des 10 000 euros sera tiré au sort en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à tous. À présent, je me tourne vers vous, Patrick Dupont. Alors, lequel de ces merveilleux danseurs ce soir est le vainqueur de sa catégorie ? Avant toute chose, à vous et à tous les autres concurrents, je vais vous dire une phrase que j'aime beaucoup et en laquelle je crois. Il y a un très grand homme qui s'appelle Nelson Mandela qui a dit un jour « Je ne perds jamais, car lorsque je gagne, et lorsque je ne gagne pas, j'apprends. » C'est sans doute j'adore. Que nous sommes là aujourd'hui. Donc, bravo à tous les quatre, franchement. Alors, le gagnant, c'est Melvin. Waouh. De rien. Va. Oh, bravo, va, Melvin. Va. Bravo. Oh, non, perd son ruban rouge. Alors, non, l'émission n'est pas finie. On te retrouve tout de suite en finale aux côtés de Jacob et Elisa. Mais sache que tu as donc déjà remporté une bourse d'études. Je t'embrasse. Bravo, Melvin. Bravo. Quant à vous trois, je vous aime beaucoup. Je sais comme c'est difficile, moi qui ne suis qu'une chanteuse, je sais comme c'est difficile la danse. Et je veux vous dire que vraiment, vous avez été merveilleux. Hein? Nous connaissons maintenant nos trois finalistes. Donc, seul l'un d'entre eux pourra prétendre au titre de prodige de l'année. Vous connaîtrez son nom dans quelques instants. Mais en attendant, et pour laisser le temps au jury de prendre une décision très importante, le ballet du Palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg et le chœur du théâtre du Capitole de Toulouse vont nous interpréter un extrait du célébrissime Carmina Burana de Karl Orff. Thank you.
Merci le ballet. Merci les danseurs du ballet d'hiver de Saint-Pétersbourg. Merci à vous. C'était magnifique. Waouh. Voilà. Lequel de nos trois finalistes, Jacob, Elisa et Melvin, est le prodige de l'année? Eh bien, nous n'allons pas tarder à le savoir, mais juste avant, replongeons-nous avec délice dans chacune de leurs prestations. Regardez et faites-vous votre avis, notre gagnant est forcément parmi ces trois-là. L'instant est solennel, je demande à Camille, la tenante du titre, notre prodige 2014, de bien vouloir me rejoindre afin de remettre le trophée au vainqueur de cette année. Camille. Oh, mon Dieu, qu'elle est belle. Elle a grandi. Bonsoir, bonsoir Camille, viens. Voilà, c'était la gagnante de l'année dernière. Sincèrement, qu'est-ce que prodige a changé pour toi ? Beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses cette année. Et la plus grosse chose, c'est l'enregistrement de mon premier album avec la maison de disques Warner Classics. Et je pense qu'il y a... Il y a un titre avec Gauthier Capuçon ? Oui, j'ai eu la chance énorme de pouvoir enregistrer un duo avec Gauthier Capuçon. C'était magique. Mais il n'y a pas que ça. Non, j'ai enregistré plein de pièces différentes avec ma grande sœur Julie, avec le pianiste Guillaume Vincent et l'orchestre d'Auvergne. Voilà, c'est le moment de vous révéler le nom de notre prodige 2015. Je demande à nos trois finalistes de bien vouloir me rejoindre, Jacob, Elisa et Melvin. Ils sont là-haut. Un triomphe! Wow. Cher jury, chers téléspectateurs, dans cette enveloppe, le prodige de l'année 2015. Le prodige de l'année 2015 est... Melvin. Ah, c'est magnifique. Ah. Les enfants, c'est magnifique. Bravo, bravo. Bravo, Elisa. Bravo, Jacob. Oh là là, regardez, qu'est-ce que j'ai là. Viens là, ma chérie, viens. C'est pour moi? Oh, Angelina, fais-moi un bisou. Un bisou. Oh. Melvin. Je tiens à remercier toute l'équipe de Prodige parce que c'était vraiment une aventure merveilleuse. Je remercie aussi tous les autres Prodiges parce que c'est... Même si j'ai gagné, pour moi, on a tous gagné parce que c'est une grande, grande famille. C'était pas vraiment une compétition, c'était plus... On montrait nos talents, tous autant qu'on est. Merci à vous, téléspectateurs, à vous tous chez vous. Merci aux Albigeois. Merci de votre accueil magnifique. Vive le Tarn. Merci à Madame le maire d'Albi, Madame Guiraud-Chomeil, ainsi que Monsieur Labordère. Merci et bravo
à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Tougan Sokiev. Merci. Merci Ariane Matiak. Merci à notre partenaire, le Crédit Mutuel. Et un grand, grand bravo à notre gagnant des 10 000 euros dont le nom s'affiche en ce moment. Bonne fête à vous tous. Bonne fête de fin d'année. À tous, bonne fin de soirée sur France 2.